Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre tout premier numéro de notre émission FM Echo. FM Echo, une émission qui parlera justement et qui va axer ses projecteurs sur toute la situation économique du pays. Alors, pour aujourd'hui, un sujet particulier nous tient à cœur. Nous constatons sur le marché la flambée des prix de produits de première nécessité. Sur tous les plans, on parle de l'huile, on parle même des surgelés, en tout cas des produits en flambée. Alors, qu'est-ce qui justifie cette situation? C'est quoi les causes, les conséquences? On en parle tout de suite avec notre invité. Il s'appelle Merlin Makanzou. Bonjour, monsieur Merlin. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes expert en économie, je préfère vous appeler comme ça. Alors, comment est-ce que le commun de mortels peut comprendre la situation liée à la hausse de prix sur le marché? Bien, il y a plusieurs facteurs que nous devons prendre en compte. Disons que la situation de hausse a commencé depuis un bon bout de temps. Déjà, la pandémie à Covid elle-même, parce que cette pandémie avait effectivement affecté notamment la logistique. Donc, un certain nombre de pays avaient du mal finalement à commercer de manière beaucoup plus libre entre États. Ce qui fait que, par exemple, les containers pour quitter un coin, un point de la planète et arriver à un autre point demandaient beaucoup plus de temps, demandait beaucoup plus de conditions à réunir pour se faire. Et donc ça, sur le plan logistique, ça a affecté. Donc on a déjà commencé à ressentir cette flambée depuis un bon bout de temps. Mais d'autres facteurs, la crise de l'Ukraine, effectivement, entre la Russie et l'Ukraine, va effectivement accentuer cette situation parce que, comme on le sait, dans la structure de prix, le prix du carburant pèse pour beaucoup. Dès lors que ça bouge énormément l'ensemble, pour l'essentiel, plusieurs de secteurs. Produits déjà de prix dans d'autres secteurs. Et donc ça, c'est l'un de... Malheureusement, la RDC n'a pas pris garde, la RDC n'a pas prévenu la situation. Depuis la Covid-19, on n'a rien fait, la guerre en Ukraine, on n'a rien fait. Est-ce que vous trouvez cela normal pour un État qui doit se respecter? Bon, dire qu'on n'a rien fait, ce serait trop affirmatif. Je sais une chose, que le pays, déjà après Covid, s'était engagé à mettre en place un plan d'atténuation des effets de Covid sur l'économie congolaise. Et le ministère du plan a piloté la mise en œuvre de ce programme et présenté par le président de la République lui-même. Mais je peux noter que les effets de l'action n'ont pas été à la hauteur. On n'a pas senti. À la hauteur de défis. Et comprenez aussi que nous sommes une économie qui a un parcours plus ou moins affecté par notamment des crises politiques. On n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures qui pour autant sont nécessaires, notamment les infrastructures d'évacuation ici, des transports, je dis, les infrastructures énergétiques. On n'a pas suffisamment investi, ce qui fait qu'on est une économie qui finalement est très exposée au choc. Et déjà, nous ne transformons pas assez, nous sommes trop dépendants, oui. Notre économie... Justement, c'est d'ailleurs la question que je pose. Pourquoi notre économie est toujours extravertie donc pourquoi? On ne comprend pas, alors qu'on a à peu près 80 millions de terres arables, on a le sous-sol assez riche, mais on est toujours extraverti. Comment on explique ça? Oui, il faut noter ici, je vais dire... les actions qui ont été menées ces 20 dernières années, je peux prendre 2000 à 2020 ou 2021, n'ont pas été à hauteur d'effectivement absorber tous les déficits effectivement causés depuis lors. Donc on n'a pas construit suffisamment de routes, on n'a pas construit suffisamment d'infrastructures énergétiques, au point, par exemple, les routes sont extrêmement importantes, oui. Parce que si, par exemple, on est, je dis bêtement comme ça, à Massimanimba, dans un secteur quelconque où on doit produire le manioc, il va falloir que l'on ait la possibilité finalement d'acheminer ces maniocs vers un centre de consommation. Donc, de route, et donc si on n'a pas de route, il est difficile effectivement que l'on puisse
avoir une économie solide. Si on a les routes et qu'on n'a pas, par exemple, l'énergie, il est difficile que nous puissions effectivement transformer. Et donc, nous nous voyons dans une situation où même les légumes, nous, les importants de pays comme voilà, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Pourtant, c'est incompréhensif lorsqu'on voit qu'on a des terres arables et qu'on doit importer même des légumes. On ne comprend pas. Oui, c'est bien malheureux, mais c'est cela jusqu'ici. Où se trouve le problème? Est-ce que le problème, c'est... Le problème se trouve au niveau de l'action. L'action, une politique claire qui effectivement dit... Voilà, nous avons, comme vous le dites, autant de potentiel agricole, autant de plus de 80 millions de terres arables. On a, en plus des terres arables, on a aussi de plus de 4 millions d'hectares de terres effectivement navigables. Ça veut dire que ça donne la possibilité de produire même à contre-saison. Et là, ce sont des atouts. Mais pour que ces atouts-là, qui effectivement restent des potentiels, se transforment en richesse, il va falloir que nous ayons des routes. Effectivement, qui permettent à ce que quand on produit au point X et l'on peut évacuer jusqu'au point Y qui se trouve soit un centre de consommation ou un centre de transformation et de ces points vers un autre point. Et donc, pourquoi on reste dans cette situation? Parce que je peux dire que depuis un moment, nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Ce que nous devrions faire, c'est quoi? C'est effectivement construire les routes sur l'ensemble des territoires, de sorte que chaque zone de production, ce qu'on peut appeler bassin de production, soit connectée à un centre, soit des transformations ou à un centre de consommation. En faisant ça, on allait effectivement pouvoir avoir la possibilité déjà, non seulement de produire, mais aussi d'évacuer, et aussi et l'avantage, effectivement, de routes et du secteur agricole, comme vous le dites, c'est aussi retenir la population dans le milieu rural. Et donc, moins nous avons de routes, moins nous produisons dans ces milieux-là, et moins nous produisons, plus les gens, effectivement, continuent à aller à la recherche du bonheur qui se trouve soit dans des cités, soit en ville. Pourtant, c'est la chanson de tous les jours, tous les gouvernements qui se sont succédés. Tout le monde parle toujours d'asphaltage de routes, de dessertes agricoles, construction des routes, ainsi de suite. Est-ce que finalement, le problème, ce n'est pas le leadership, le problème, ce n'est pas les gouvernants qui posent problème au pays, soit qui n'ont pas une politique claire, voilà. En fait, les documents de politique existent. Et nous avons, depuis par exemple 2015, on a commencé l'exercice d'élaboration du PNSD, du Plan National Stratégique de Développement, qui en 2019 a été validé avec inscription de certaines orientations du nouveau président de la République, donc le président Félix. Et depuis lors, c'est donc ce programme, c'est ce plan qui effectivement... est en train d'être mise en œuvre, qui a été déclinée par le programme du gouvernement, déjà SAMA, s'il faut être plus précis ici. Et donc, le plus important, c'est qu'au-delà de programmes, il faut que les moyens suivent. Et lorsque nous disons que l'agriculture est une priorité, il faut que le moyen suive. Nous, en économie, ça nous importe peu de dire que l'agriculture est une priorité. Ce qui nous fait constater que l'agriculture est une priorité, c'est combien d'argent on alloue dans ces secteurs-là et dans les routes, dans l'encadrement des organisations paysannes, dans tous les mécanismes qui accompagnent les secteurs malheureusement, agricoles. Malheureusement, c'est plus de 70% du budget national qui part dans des rémunérations. Dans ce contexte, comment répartir équitablement, ou soit donner une priorité à l'agriculture, c'est compliqué. Bon, compliqué, mais la volonté suffit. Le président de la République est revenu là-dessus, faisant de l'agriculture... son cheval de bataille, avec son engagement de mais faire depuis, la revanche. On ne constate pas, il a dit la réforme sur le sous-sol, mais on ne constate rien apparemment. Et effectivement, dire qu'on ne constate rien, c'est effectivement évident de votre vue en tant que journaliste, mais au niveau du gouvernement, ils sont en train effectivement de travailler. J'espère que le programme, par exemple, le développement local, va être l'une des meilleures réponses, effectivement, pour répondre en même temps à la question de développement du secteur agricole, parce que moi-même, pour y avoir travaillé en tant qu'expert,
Et donc j'ai été à Bouta, j'ai vu dans le bas où il est, j'ai vu combien la population souffre par manque déjà de routes. On produit, mais on ne sait pas vendre au prix qui effectivement peuvent rémunérer vos capacités. Et En raison d'absence de route, et donc, notamment. bien sûr, bien, les routes, pour moi, constituent le problème le plus central sur lequel il faut travailler. Donc, les infrastructures routières et énergétiques, pour moi, ce sont là les deux priorités sur lesquelles il faut travailler. Bien sûr, par la suite, l'accompagnement des agriculteurs ou des entrepreneurs, selon les Oui. formats que l'on peut se donner. Mais pour moi, ces deux piliers-là sont essentiels. Si on y met suffisamment de moyens, on peut espérer effectivement rendre ce pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Et donc, la situation des prix, la guerre en Ukraine, pour moi, peuvent être des opportunités. Et même déjà, la COVID l'était une vraie opportunité Malheureusement, on pour l'a pas que le saisi. pays, effectivement, se rende compte de la nécessité de mettre en place une économie plus résiliente qui effectivement sera à être à mesure d'absorber des chocs au niveau international et par la suite essayer de saisir pour chaque opportunité, pour chaque situation internationale, saisir l'opportunité pour exporter de plus. Il est effectivement, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, inadmissible que notre pays soit importateur de Des produits que l'on légumes. peut produire. Parce que importer de produits, par exemple, agricoles, signifie non seulement que nous donnons du travail aux agriculteurs d'autres pays, et au détriment effectivement de notre propre pays, de nos agriculteurs, mais aussi des devises que nous emmagasinons pour Oui. envoyer continuellement chaque semaine dans d'autres pays. Et donc, Ce qui les pourrait conséquences sont notamment voilà, sur... notamment la fluctuation du taux de change, par exemple, Bien sûr, notamment. c'est l'une des conséquences. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Puisqu'on a déjà constaté que, voilà, lorsque les choses tournent mal à l'étranger, c'est notre économie qui est affectée, puisque nous sommes totalement extravertis. Aujourd'hui, quelle politique on doit mettre en place dans le pays pour éviter, par exemple, de telles choses? Oui, moi, c'est comme je l'ai dit tantôt, pour moi, la priorité doit demeurer Essentiellement les nos routes. routes. Les routes, parce que les routes vont effectivement permettre à ce qu'un produit réalisé, une production réalisée dans tel coin Oui. soit évacuée, ça va aussi permettre à ce que toi qui es ici, bien que tu sois journaliste, mais tu n'es pas, tu peux aussi être entrepreneur, et donc tu peux te décider d'investir dans un coin quelconque, mais s'il n'y a pas de route, tu ne peux pas aller y mettre ton argent. Donc, en déjà construisant des routes, nous allons donner la possibilité à tout investisseur, compris nationaux et étrangers, d'aller dans des coins où il se trouve effectivement des potentiels de Vous production. parlez de route, bien sûr, mais la production en elle-même, d'abord, on ne le sent pas. On ne sent pas dans le budget, lorsque les budgets de l'État est établi, on ne sent pas cette volonté-là en termes de pourcentage accordé à ces secteurs. On ne sent pas que l'on a vraiment besoin de développer ce secteur-là. Est-ce que vous croyez que ça sera ce secteur-là peut attirer, par exemple, des investisseurs? Oui. Et déjà, ici, nous avons l'avantage avec la loi sur notamment le partenariat public-privé, Oui, la justement. possibilité que vous ou tel autre entrepreneur ayant ces moyens puisse investir notamment dans la construction de routes avec des conditions définies par la loi. Ça fait que vous pouvez récupérer vos investissements à travers le péage et dans le mécanisme à fixer. Donc, c'est au gouvernement aussi, entre autres, de continuer à mobiliser le plus possible. Donc, je disais, les routes, l'énergie, Oui. pour moi, les routes, l'énergie et l'agriculture doivent devoir être accompagnées. Bien sûr, il va falloir transformer et donc, vous allez vous rendre compte que l'industrie, la transformation continue à greffer là-dedans. Ok, Voilà. merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, nous poursuivons notre émission. Le prix de produits de première nécessité ont flambé. Notamment récemment, nos reporters étaient sur terrain. Nous avons réalisé un reportage, notamment pour faire valoir, pour vous faire voir comment est-ce que la situation se passe sur terrain, notamment avec le prix du blé qui a flambé et qui a occasionné notamment la réduction du grammage de pain et autres produits qui nécessitent justement l'intervention du blé. Je vous prie de suivre ce reportage. La situation de la hausse du blé sur le plan mondial n'a pas épargné la République démocratique du Congo.
C'est le cas de ces commerçantes de gaufres et de gâteaux qui n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à cette problématique. La farine coûte très cher. Le grammage des gâteaux et de pain ont été réduits. Il faut sortir très tôt le matin pour s'en approcurer. Comme moi, par exemple, je consomme les pains de 1000 francs congolais, mais je ne me rassasie pas. Bon, si tu veux comprendre, tu regardes la farine, tu montres que la farine est matière comme tu as 100 000. Donc, moi, je sais que tu vas conduire pour la du camp. Tu comprends que tout le monde a farine et maté comme tu as sami. Tu as dit que tu as dit que tu as déclaré. Tu as dit que 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 de l'autre côté, cette vendeuse décrit deux problèmes qui la tourmentent. En dehors de l'augmentation du prix de farine, elle parle aussi de la hausse du coût de l'huile et du sucre. Il y a hausse de prix de tous les produits. Ce n'est pas seulement la farine de blé, voire les produits alimentaires qui connaissent cette hausse. Un bidon d'huile de 25 litres coûte aujourd'hui 110 000 francs congolais, un sac de sucre 110 000 francs congolais, et nous ne savons où nous rendre et ni que faire. Par ailleurs, ce boulanger explique le calvaire qu'il rencontre ces derniers temps. Nous achetions la farine à 63 000 francs. Maintenant, ça se vend à 100 000 francs. Nous allons vendre le pain à combien? Présentement, il n'y a pas le pain de 200 francs. Le pain qui se vendait à 300 francs revient à 500 francs. Que les autorités du pays trouvent une solution pour cette hausse de prix de farine de blé pour que nous puissions respirer aussi. En somme, la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le grammage du pain qui a connu une diminution par rapport à la quantité habituelle est dû à la hausse du prix de la farine et cette hausse des prix est causée par la guerre en Ukraine, à en croire plusieurs économistes. Voilà, c'était un reportage signé Monica Makaba. Je reviens à vous. Est-ce que ce problème de hausse de prix, on parle hausse de prix du blé notamment, ça me fait penser à l'industrialisation, l'agro-industriel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être concentrer aussi nos énergies là-dessus? Peut-être avec l'agro-industriel, on ne sera pas obligé, par exemple, la pré-production, que l'on aille soit transformé ailleurs ou quelque chose de pareil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait nous investir dans l'agro-industriel? Oui, bien sûr, c'est une voie obligée et nous sommes appelés à y investir massivement. L'avantage, c'est que si nous nous y investissons, c'est que non seulement nous garantissons l'indépendance, notamment alimentaire, le pays, mais aussi ça repositionne notre rôle au niveau régional et au niveau mondial. Parce qu'en fait, la RDC, comme vous le savez, a tous les atouts pour être un vrai grenier mondial, en fait. Et certaines statistiques, études affirment même que la RDC, si finalement elle valorise tout son potentiel agricole, on peut arriver à nourrir plus de 2 milliards de personnes. Donc, tout au long d'une saison, d'une année, nous avons donc la possibilité de nous repositionner, de nous ressaisir. Pour moi, je note que cette situation, Covid et la guerre en Ukraine, sont effectivement des situations qui nous mettent devant notre propre responsabilité pour prendre conscience et qu'au-delà de mots, que nous nous engageons réellement dans les actions pour effectivement accompagner le développement du secteur agricole avec l'agriculture paysanne, l'agro-industrie, parce qu'en fait ça doit aller ensemble. Il faut même lorsqu'on développe l'agro-industrie, avoir des mécanismes d'accompagnement et d'insertion, de collaboration entre l'agriculture paysanne et l'agro-industrie. C'est extrêmement important parce que c'est cette agriculture paysanne qui effectivement a nourri des familles et qui effectivement assure le bien-être de tous les ménages, les foyers les agricoles. D'accord. Il y a une question qui me taraude l'esprit.
Lorsqu'on voit par exemple des problèmes politiques, les politiques semblent prendre beaucoup de dessus sur les scientifiques par exemple. Lorsqu'il y a problème d'élection, on sent une mobilisation, on sent des politiques trouver des solutions, voilà, des feuilles de route, feuilles de sortie de crise, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui touchent l'économie par exemple, on ne sent pas cette crème intellectuelle, on ne sent pas des experts en économie faire des ateliers, proposer des solutions. Pourquoi cela ? Pourquoi on ne vous sent pas sur terrain lorsque, par exemple, on constate cette hausse de prix ? Bien, merci, vous avez raison de le dire, vous. Mais nous, en tant que scientifiques, nous avons toujours été au rendez-vous pour effectivement apporter nos réflexions et nos idées, nos orientations pour la marche du pays. Ici, ce qu'il faut améliorer, c'est plutôt les canaux de collaboration entre le monde scientifique et le décideur politique. Et donc, le média, vous avez effectivement aussi un rôle à jouer. Parce que vous le savez, dans beaucoup de cas, dans bien des cas, des fois, il n'y a pas une vraie collaboration entre le scientifique et les décideurs. Et des fois, quand on se retrouve dans ces cadres-là, on est minoré. Et donc, des fois, les options que vous proposez doivent aussi passer à l'arbitrage de politiques qui finalement, à la fin, doivent lever donc, les... Donc, on conclut que c'est les politiques qui étouffent justement les idées de la crème intellectuelle, soit des étouffer, c'est trop. Je ne dois pas rejeter la responsabilité seulement aux politiques. Je dois aussi affirmer que nous, en tant que scientifiques, nous devons trouver davantage des canaux de communication et de collaboration avec le politique. Déjà, nous participons, par exemple, s'agissant de questions l'agriculture, nous avons pris part aux travaux sur les états généraux de l'agriculture. Moi-même, je participais à ces travaux-là. Et donc, les options ont été levées. Mais ce qui reste, c'est effectivement l'application de toutes les mesures qui ont été proposées. Et donc là, ça demande de moyens. Et c'est là où je nous appelle, et surtout vous, le média, de pouvoir, en tout cas, de temps en temps, garder aussi le contact avec le scientifique et le politique, et de temps en temps, faire pression, rappeler aux acteurs, aux décideurs, leurs responsabilités. Parce que une chose est vraie d'affirmer que l'agriculture est une priorité, mais une autre chose est vraie de voir que cette priorité-là a été retenue au niveau du budget et au niveau validé par le Parlement. Et donc, si nous voulons vraiment espérer que la revanche du sol sur le sous-sol devienne parfaitement une réalité, il va falloir que davantage de moyens soient alloués au secteur agricole. Vous proposez quel pourcentage on doit accorder dans les secteurs de Déjà, il y a beaucoup de travaux, notamment les accords de Maputo prévoient le minimum des 10%. Et si ces 10%-là sont effectifs, je sais qu'on va voir les choses bouger. Les choses peuvent bouger si ces 10%-là sont effectifs. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour dire que effectivement, le PED, le programme de développement local, est aussi une opportunité, parce que dans ce programme, il y a non seulement les secteurs agricoles, mais tout ce qui, effectivement, tout ce qui est nécessaire pour construire une économie locale. Tous les aspects sont pris en compte. Nous avons l'agriculture, nous avons tout l'encadrement qu'il faut, nous avons la transformation de certains produits, nous avons les routes, nous avons l'énergie, nous avons la santé, nous avons tout. Et donc, si effectivement ce programme est correctement mis en œuvre comme prévu, je pense qu'il est possible que l'on puisse voir un début de solution. Mais il va falloir que le ministère sectoriel soit suffisamment impliqué et que finalement l'on se rende compte qu'au-delà du PEDEL, il y a des programmes sectoriels qui ont été élaborés. Il y a dans, par exemple, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Développement Rural pour le développement notamment des infrastructures rurales et le ministère de l'Industrie. Il va falloir que l'on donne suffisamment de moyens au ministère du secteur productif, comme on dit, et donc l'agriculture, la pêche et l'élevage. Oui, mais un budget a déjà été établi, voilà. Un budget donc, 1,6 milliard. Établir le budget, oui, pour le PEDEL, bien sûr, mais il va falloir que tout ce qui est prévu soit suffisamment correctement mis en œuvre comme prévu. Est-ce que vous voyez ce programme réussir? Moi, personnellement, je crois à ce programme parce que j'y ai travaillé et j'ai vu... Vous y croyez parce que vous y avez travaillé? Non seulement j'y ai travaillé,
Mais le président de la République lui-même a pris l'engagement devant tous de tenir à ce que ça réussisse. Le ministre du plan et son adjoint y travaillent. Le premier ministre insiste sur ça. Et donc, si tous les moyens sont donnés, il est possible que finalement tout soit mis en œuvre. Mais il va falloir que tout le monde reste éveillé, notamment la société civile, l'élite intellectuelle, la population. Il va falloir l'opposition politique également. Bien sûr, tout le monde doit être aux aguets, de sorte que tout doit être transparent. Alors, on doit savoir, par exemple, au mois d'avril, quoi doit être fait où. Et donc, tout doit être clair et au travers de médias, au travers d'une plateforme virtuelle, et tout le monde peut considérer. Lorsque un seul franc est décaissé, l'on doit pouvoir communiquer ça, de sorte que chacun se rende compte qu'un franc est décaissé pour, par exemple, autant de kilomètres à tel endroit, c'est telle structure qui doit le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Dans ce cas, l'inspection générale de finances a du pain sur la planche. Oui, bien sûr, l'inspection, oui, mais moi, je compte beaucoup plus sur le contrôle citoyen aussi. Et donc, nous, la population... Mais déjà, si la communication ne passe pas bien, donc ça sera compliqué. Il va falloir que la communication puisse passer normalement. Tout doit être transparent, de sorte que dès lors qu'un seul franc est engagé dans le cadre d'une activité quelconque du programme de développement local, que cela soit publié. Il va falloir qu'il y ait une plateforme où l'on peut suivre tout. Vous, journalistes, vous savez dès lors qu'un franc est décaissé, par exemple, pour l'OSI, pour faire, par exemple, la route à l'un de... Tout doit être bien précis. Parce que dans le cas du PEDEL, j'y ai travaillé encore une fois, c'est que tout est spécifié. Donc, s'il y a une intervention, il est dit que cette intervention doit avoir lieu à tel endroit, dans telle zone géographique. Mais nous avons connu plusieurs autres programmes dans le passé, d'autres programmes qui ont été transparents, des programmes où on a tout très bien établi, mais on connaît la suite, non? Le pays est toujours par terre, les provinces sont plombées. Comment on va faire pour croire que ce programme... Je te comprends parfaitement. Oui. Programme établi ne résout pas le problème. Ce qui résout le problème, c'est le fait que ce qui est prévu soit réalisé. Et ce qui est prévu soit réalisé dans des proportions plus ou moins acceptables. Vous croyez au gouvernement actuel? Vous croyez que ce gouvernement va faire aboutir ce programme et que nos provinces vont finalement jubiler? En tout cas, je leur fais confiance parce que dans tous les cas, ce programme est extrêmement important pour le développement local de notre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Non seulement parce que ça régule effectivement la question de... l'exode rural. Parce que si un monsieur qui est à bout dans les territoires quelconques, il peut, avec ses maïs, le transformer en farine mise en sachet et c'est vendu, je ne vois pas pourquoi il accepterait de venir, par exemple, à Kisangani sans rien faire ou venir à Kinshasa sans rien faire. Et donc, la dimension entrepreneuriale, accompagnement, est extrêmement importante dans ce programme-là. Et donc, ça... Tout ça, ce sont des atouts et qu'effectivement, qui laissent espérer. Et le président de la République tient à ça. En fait, dans tous les cas, personne n'est perdant dans ces programmes. Si c'est mis en œuvre, tout le monde sera gagnant. Parce que même le président de la République, sa cote, son électorat effectivement, va dépendre, entre autres, de la mise en œuvre de ce programme. Et donc, il a tout intérêt de veiller à ce que tout soit effectivement mis en œuvre comme prévu. Si tout est mis en œuvre comme prévu, je peux garantir qu'on va connaître un début du processus de développement. Parce qu'au moins, c'est le développement à la base. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Est-ce que vous croyez qu'un jour, le Congolais va avoir un pouvoir d'achat un peu plus puissant parce que la situation actuelle, ça laisse à désespérer. Les Congolais ont l'impression qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va parler du pouvoir d'achat un peu plus puissant des Congolais? Oui, bien sûr, moi je le crois. Seulement que ça ne va pas arriver parce que je le crois. Ça va arriver parce que le gouvernement agit. Et donc, pour avoir plus de pouvoir d'achat, il faut plus de richesses. Est-ce que vous pensez que le gouvernement agit dans cette optique-là? Oui, ben, il y a un programme du gouvernement qui est en train d'être mis en œuvre, même si les résultats... Un peu plus de trois ans après, on ne sent pas d'impact sur le terrain. Les résultats ne sont pas
toujours à la hauteur des défis et des promesses, et ça je le reconnais, mais au moins ils ont la possibilité, chaque membre du gouvernement a la possibilité, effectivement dans le cadre de ce programme, du PEDEL notamment, parce que le PEDEL n'est qu'un programme, oui. Le PEDEL ne remet pas en question oui. tous les programmes sectoriels oui. qui sont là. Le ministère de l'Agriculture a aussi un autre programme, effectivement, développement du secteur agricole, oui. et avec l'appui de la Banque mondiale, 500 millions pour chaque 5 ans, je crois. Et donc, le gouvernement lui-même a un budget pour le ministère de l'Agriculture. Et donc, il va falloir qu'au-delà de ce qui est prévu, que ce qui est prévu soit effectivement réalisé. Oui. Et aussi, vous parlez de pouvoir d'achat. Je disais que le pouvoir d'achat ne vient que lorsque la richesse est créée et que ces richesses sont bien distribuées. Et donc, ça, c'est aussi une question. Donc, il va falloir que l'on travaille sérieusement sur la question de redistribution. Et donc, parce que si on doit améliorer, par exemple, les salaires de professeurs, des enseignants, de corps médical et de toutes les corporations, il va falloir que l'on ait des moyens pour le faire. Pour avoir des moyens pour le faire, il va falloir que l'on soit sûr que chaque franc du budget est géré correctement, est affecté correctement comme il s'est devait. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, l'IGF a un travail à continuer à faire. La Cour des comptes doit pouvoir qui est presque inactive. Il va falloir qu'on lui donne tout le moyen nécessaire pour bien travailler. Et la justice, là aussi, a un rôle extrêmement important. Parce que si on réussit effectivement à dissuader les détourneurs, on va effectivement voir beaucoup de choses s'améliorer. Parce que on doit se le rappeler, à chaque fois qu'un million est détourné, c'est au détriment de bénéficiaires directs, en fait, du bien-être de la population. Et ça, il va falloir que tous, notamment vous, le média, puisse y travailler aussi en communiquant suffisamment, en sensibilisant. Mais vous aussi, le corps scientifique. Bien sûr, nous essayons de faire notre part, mais il faut qu'il y ait une synergie entre tous les corps. D'accord. Alors, lorsqu'on dit amélioration du pouvoir d'achat, cela renvoie également à l'investissement, cela renvoie aussi justement à la mise en place de devoirs et moyens pour que l'on puisse accorder du travail, par exemple, à la population. Le climat des affaires devrait être apaisé. Est-ce que vous pensez, par exemple, concernant le climat des affaires, est-ce que vous pensez que ce secteur-là, le climat des affaires, est peut attirer les hommes d'affaires ici, dans notre pays? Oui, il y a un travail qui se fait, mais il y a encore beaucoup de défis. Parce que par climat des affaires, il ne faut pas oublier qu'il y a les routes, il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie, il ne faut pas oublier qu'il y a la justice, la sécurité juridique et judiciaire. Dès lors que toi, en tant qu'homme d'affaires, tu viens avec tes capitaux et finalement tu te retrouves dans une condition quelconque, quelle est la chance que tu as à ce que, par exemple, les autorités te remettent dans tes droits. Et ça, là, s'il y a incertitude, et voilà, ça n'encourage pas. Aussi quand on parle de la justice, la justice va devoir faire suffisamment de travail là-dedans. La sécurité reste un défi aussi pour le climat des affaires, mais il faut reconnaître qu'une bonne partie de l'étendue du territoire est quand même en paix, un peu relative, et donc il est possible que si on améliore les infrastructures, on construit suffisamment d'infrastructures, notamment de routes, et notamment, moi je tiens beaucoup aux voies navigables et ferroviaires, parce que pour moi, ce sont les voies indispensables pour le décollage de notre économie. Parce que vous le savez certainement que lorsque vous faites transporter une tonne par la voie routière, elle vous coûte de loin, de fois, à des rapports de 1 sur 12, plus que si c'est transporté par la voie fluviale ou ferroviaire. Donc, si aujourd'hui nous réussissons à rendre les voies navigables du pays navigables, passez-moi la tautologie, on va effectivement, ça va effectivement jouer beaucoup sur le prix. Parce qu'une tonne, une tonne transportée par voie routière va coûter à des rapports de 1 sur 12, plus que
la tonne transportée par voie fluviale et ferroviaire un peu plus chère que la voie navigable. Donc c'est extrêmement important qu'on y travaille, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons aussi la possibilité, avec tous les potentiels que nous avons, les potentiels énergétiques, avec des énergies renouvelables, avec de petites chutes ça et là, il est important qu'on y travaille, mais aussi l'entrepreneur privé doit savoir aussi, avec la loi sur la libération de l'électricité, et donc vous ou n'importe qui peut aujourd'hui, avec ses moyens, construire une centrale dans des conditions fixées par la loi. Et donc là aussi, ce sont des opportunités que nous devons effectivement saisir. Donc l'un des créneaux, c'est aussi de continuer de travailler sur les renforcements de capacité du jeune Congolais, notamment, plutôt que d'attendre d'être effectivement supporté comme solution, et savoir que tous les défis du Congo sont en réalité des opportunités pour lesquelles nous devons travailler. Moi-même, je suis économiste de formation, je suis enseignant, disons assistant à la faculté de sciences économiques, mais je suis aussi entrepreneur. Et donc, il va falloir que nous tous, nous nous rendions compte que l'entrepreneuriat, c'est aussi une des voies, si nous voulons, parce que vous avez parlé de la question de l'emploi, les emplois se créent lorsque la richesse se crée. Donc, c'est en créant, en accompagnant les entreprises, qu'on va effectivement davantage créer des emplois et donc donner du revenu suffisant aux Congolais. Je vous ai entendu parler de la paix dans une grande partie de la nation. Et si on parlait de paix fiscale? On entend parler de pression fiscale dans notre pays. Il y a autant de taxes qu'il faut payer lorsque les marchandises entrent, même sur place ici, les entreprises se voient pourchassées par les régies financières. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, c'est aisé d'investir en RDC? Je dois reconnaître que des efforts doivent être faits. Des efforts doivent être faits parce que tout entrepreneur en parle. En fait, on est des fois buté à une multiplicité des taxes et ça étouffe. Mais ça décourage. Effectivement, ça décourage. Mais je pense que le gouvernement a tout intérêt à y travailler. Au-delà de mots, au-delà de discours, il faut suffisamment y travailler. Intentions. Notamment, si on a le par exemple le portail électronique qui énumère toutes les taxes, impôts, droits, et de manière c'est énuméré, on sait que si je suis dans tel secteur, voilà ce que je dois payer. Et si on me demande au-delà de ça, voilà l'action que je peux mener contre la personne qui me demande au-delà de ça. Et ça peut aider. Et je reconnais qu'il faut davantage travailler sur cette pression des taxes, des fois illégales d'ailleurs, fois illégales. Et même légales, il faut trouver une fiscalité optimale, donc qui serait à l'avantage et en même temps de l'entrepreneur, de l'investisseur, mais aussi qui permettrait à l'État de pouvoir avoir le moyen de sa politique. C'est possible. C'est d'ailleurs la question qui me revient, la question que je vous ai posée tantôt. Vous êtes économiste, vous êtes scientifique, mais pourquoi, par exemple, ne pas vous réunir? Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. Vous réunissez, vous menez un plaidoyer et on allège certaines taxes, souvent peut-être non opportunes. Voilà. Des travaux se font. Moi-même, je sais que l'année 2021 ici, nous avons par exemple travaillé au niveau de l'université de Kinshasa avec les armateurs, donc ceux ayant des bateaux par exemple, quelques membres de la FEC entre autres ont pris part à ces travaux-là parce qu'ils ont constaté que quitter par exemple Kisangani jusqu'à Kinshasa par bateau, il y avait autant de taxes au point que finalement leur activité était rendue même beaucoup moins rentable. Et donc on a commencer une réflexion là-dessus et donc on doit aussi avouer que des fois l'élan et l'efficacité du chercheur sinon du monde scientifique est aussi limité par les moyens d'action et donc il va falloir que la recherche soit suffisamment financée, il va falloir que l'enseignant dispose de toutes conditions minimum nécessaires pour lui permettre à effectivement mener des réflexions au service de la nation, parce que l'université a trois missions, c'est la formation
l'enseignement et les services à la communauté. Dans le volet services à la communauté, c'est aussi la réflexion sur des questions touchant concrètement le développement du pays. Donc, nous sommes là pour ce faire. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons, puisque nous sommes presque à la fin de notre émission, il y a une question que je préfère vous poser. Alors, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires sont issus des universités. Ils ont étudié jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce niveau, mais on constate que l'économie du pays va toujours de mal en pis, même si on nous parle des performances des régies financières, mais on ne constate pas les effets sur terrain, c'est toujours la pauvreté. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la faute revient aux universités qui ne savent pas peut-être former les cadres de demain? D'accord, je ne peux pas accepter que la faute soit attribuée. Parce que vous êtes scientifique. Parce que le scientifique ne peut pas le décider au dernier ressort s'il n'est pas dans un poste de décision. Vous voyez? Et donc, mais ils sont produits par l'université. Ici, c'est sur quoi je vais insister, sur ça, tu as insisté beaucoup sur ça, c'est que les effets ne se sentent pas. Pour que les effets se sentent, il faut que nous investissions suffisamment. En fait, il faut que les dépenses productives, je vois les dépenses qui effectivement permettent à construire les routes, permettent à construire des micro-centrales, des centrales solaires, à construire des centres de santé, à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à construire des unités ou appuyer, à construire des unités de transformation. Si ces dépenses-là, on redéfinit les proportions entre les dépenses de fonctionnement et par rapport aux dépenses d'investissement. Si on investit beaucoup plus que maintenant, il est possible qu'on espère effectivement voir ce pays décoller. Et je sais que si on travaille sérieusement, ce pays ne prendra pas beaucoup trop de temps qu'on le pense. Et donc, on peut par la suite, dans les années qui viennent, parler du miracle congolais. Et c'est possible. Encore avec un peu plus de volonté, un peu plus d'action, mais un peu plus d'éthique aussi. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'au-delà de l'expertise, au-delà des capacités, il va falloir aussi que l'on reconnaisse que l'éthique est donc extrêmement importante. Savoir distinguer entre le bien privé et public, savoir que quand on est là pour le pays, savoir que quand on est dans une poste et des décisions, c'est pour rendre service, et ça, c'est extrêmement important. Merci. Dernière question. Est-ce que vous pensez aussi que le gouvernement est budgétivore? Ben, ce sont des questions extrêmement budgétivores. Moi, ce que je peux noter, c'est que je continue à croire à ce qu'ils le savent. Si on met davantage de ressources en faveur des investissements, la construction de routes, appui, soutien au secteur agricole, soutien au développement de l'entrepreneuriat, accompagnement de jeunes dans l'entrepreneuriat, construction des écoles, construction de ou appui, à tout ce qui est productif, on va aller plus vite. Et donc, même le politicien va se retrouver finalement. Alors, la finalité de toute action du politique, et c'est effectivement normalement travailler pour l'amélioration de conditions des populations. Sinon, ils n'ont plus rien à faire. Donc, leur travail et le travail de tout le politique et doit être contribué, travailler pour effectivement voir les conditions de population s'améliorer. L'inverse, il n'aura plus de mission. Ok, merci beaucoup Monsieur Merlin d'avoir répondu à notre invitation. Bien, merci, je vous remercie pour la confiance. Merci. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était le tout premier numéro de notre émission FM Echo, une émission qui parlera essentiellement de l'économie, commentée sur toutes les branches qui concernent l'économie. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.